Bonjour à tous, je m'appelle Astrid Tinda, je suis professeure de fitness et de pilates. Soyez bienvenus aujourd'hui dans ma chaîne, je vous propose une interval training. On va travailler en série le haut du corps, les bas du corps et les abdominaux. Cette fois-là, on va faire 3 exercices par bloc et chaque bloc on répète 3 fois. On va faire une à une. On va commencer avec le haut du corps. Pour le haut du corps, vous avez besoin de charges, de poids, de 1 à 2 kg, peut-être 3, en fonction de vos besoins et vos capacités. Moi, par exemple, je prends 2 bouteilles de vin qui pèsent à peu près 1,7 kg chacun. Si vous avez des vraies charges, bien sûr, c'est encore mieux, ou des sachets de riz, des pâtes, soyez inventifs. Le premier bloc va travailler les biceps, les pectoraux, la poitrine et les dos. Je vous explique chaque exercice avant on commence vraiment avec le programme. Placez-vous toujours légèrement souple avec vos genoux. Gardez les coccyx direction du sol pour stabiliser les dos maintenant avec votre transverse. Donc, rentre votre nombril, c'est une ceinture qui est musculaire, qui a la même fonction comme la ceinture dans la musculation. Si vous travaillez avec les charges libres. Donc, vous avancez les coudes un peu pour garder les muscles biceps sur contraction. Et on va alterner. On va faire 24 fois droite et gauche. Donc, ça sera le premier exercice. Le deuxième, c'est les pectoraux. Donc, vous restez toujours dans cette position. On lève les bras et là, on ferme, on ouvre. Ça sera pour les pectoraux. Et le troisième, pour les trapèzes. On pousse les hanches en arrière, on redresse la poitrine pour bien contracter les muscles du dos. N'arrondis pas, sinon vous chargez les lombaires. Et là, on pousse en haut et on descend. Le mouvement est comme ça, on serre les omoplates. Ça sera notre premier bloc. Après, on passe au bas du corps. Pour les bas du corps, on a les grands fessiers et les moyens fessiers à travailler aujourd'hui. Donc, le premier, c'est le squat, les jambes légèrement plus lâches que vos hanches. Là aussi, on pousse les hanches en arrière et on redresse chaque fois la poitrine. Ne faites pas l'erreur de monter comme ça et vous faites mal au dos. Donc, ça travaille les grandes fessiers essentiels et les dorsaux que vous redressez. Chaque fois en bas, on serre les fesses et ça monte presque toute seule. Deuxième, serre les twists en squat. Donc, on serre les genoux. Une fois les hanches à droite, une fois à gauche. Chaque fois, vous levez légèrement les talons pour tourner sur vos bouts du pied. Et le troisième, c'est le leg lift. Donc, on a 16 avec la jambe droite et 16 avec la jambe gauche. Ça travaille moyen fessier et abducteur de votre jambe. Après, on a un passage au sol pour les abdominaux. On a 3 exercices aussi. Les gainages basculés. Donc, vous placez les avant-bras au sol. Arrondissez les dos légèrement pour stabiliser les dos. Et là, on bascule de droite à gauche. Soit sur les genoux, on refait ça sur les bouts du pied. Les deuxièmes, c'est les crunchs. Je m'appelle les crunchs complètes. Car on ne va pas que lever les bustes, on déconne aussi avec les fesses. On sent un petit mouvement. On lève chaque fois les fesses un peu et l'eau du corps. Et les dernières, c'est les obliques. Vous avez une fois la main droite derrière les genoux gauche et une fois à l'envers. Droite et gauche. 16 fois là aussi, pour les autres, on va jusqu'à 24 aujourd'hui. Alors, si vous êtes prête, préparez votre matériau, placez vos charges et on va pas tarder à commencer. Donc, on commence avec les curls, biceps, pectoraux et dos. Ready. Alors, les jambes fléchies, coccyx au sol, ventre rentré, coude en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Allez. Encore. On change pour les pecs. 2. Donc, chaque fois, on ferme les coudes. Encore. Gardez la position, légèrement fléchie avec vos jambes.
Encore. Il me reste encore 4. 3. 2. Et pour les dos. Up and down. Serrez vos omoplates. On pousse, on ramène. Encore. Encore. And down. Encore vite. Encore 5, 6, 7, last one, bicep curl, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et vite encore. Il vous reste que vite. On ferme, on ouvre. Allez, ferme, et ouvre encore. Encore 16. Il vous reste plus vite. Et plus 4. Dernière. Et les dos, up and down. Plus, ramène, encore. Là, on a vite, il vous reste encore 16. Encore vite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et les pecs. On ferme, on ouvre, on ferme et on ouvre. Il vous reste que 4 maintenant, à niveau, on ferme et ouvre. Il vous reste que 3. Et dernière fois les dos. Allez, up and down. Pousse, ramène. Serre chaque fois les omoplates. Pousse. Encore 16. Allez, go. Dernière vite, allez, go, vite. Allez, 5, 6, 5, yes, 4, 3, 2, last one, allez, allez. Très bien, relâchez. Relâchez vos bras, petit stretch. Ramenez les doigts, on passe au deuxième bloc. Ouvre. Et ferme. Ouvre pour les fesses. Triceps, on a pas fait. On fait quand même.
relâchez en thighs ou body core. Rappelez-vous, stretch, twist et slide lightly. Ready? Écartez vos jambes et down, up, down, up. Faites son arrière et redressez la poitrine. Il vous reste que 16 maintenant. Encore vite. Vite. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 et 5 en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vite encore vite, vite, 7, plus bas peut-être, 5, il reste 4, 3, 2, are you ready? Slide like this. 1, 2. Allez, levez la tête. Levez la jambe. Encore 16. Encore vite, vite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on change, gauche, donc la jambe plus haut un peu, abducteur, moyenne fessier, si trop dur, tendre les bras plus facile pour équilibre, appuyez-vous quelque part. Encore. Encore 16. 8, pardon, 7. 16 et 16 chaque côté. Encore 4. 4. 3. Encore 2. Et on recommence. Fais son arrière, grand fessier. Redressez la poitrine. Fais encore 16. 15, 14 et 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 plus bas, 6, qui peut encore plus bas, il reste 4, 3, 2, laisse one et les plus, 1 et 2. 1 et 4. Allez, 5, 6, 7 et 8. Il vous reste 8. Plus bas. Maintenant, cherchez la challenge. Essayez de descendre plus bas. Il vous reste 4 et 3. Encore 2. Last one. Et les clés. Ou comme ça. Encore vite. Dernier 4. À gauche. 1, 2, plus haut. Encore vite, cette côté, allez. Et le squat, down, up. Dernière série. Pour cette bloc,
1, 2, 16. Fléchez. Allez, plus les doigts en arrière et plus bas. Encore vite. Allez, go. Plus bas. Vous devez ressentir la contraction dans vos fesses. Et les cuisses. Donc, tournez au bout du pied, lèvez du talon. Encore vite, plus bas, allez, go. Plus bas, allez, encore. Il vous reste 4, 3, 2, 1, et lèvez. Même chose sur l'autre côté. Donc on pousse les hanches en arrière. Et on passe au bloc body core, donc des abdominaux. Là, je vais changer la musique. Et là, on met la caméra pour être plus visible. Vous voulez quelque chose si vous avez soif. Sur les genoux ou sur les pieds.
J'appuie sur votre dos. Il reste que 8. Entre deux. C'est les dos. Crunch complète. Allez, go. Up. Up. Encore 16. Montez de plus haut un peu, contractez bien. Et vous restez vite. Et droite et gauche. Droite et gauche. Chaque bloc
si vous voulez. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye, au revoir.